C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour poursuivre avec la leçon biblique. Nous prions que Dieu vous bénisse, qu'à travers l'écoute de cette leçon biblique, que Dieu vous donne de, de grandir dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Tonde jou quoi et tonde quoi jouga yetame si song bila. Le thème aujourd'hui c'est le fruit du Saint-Esprit. La tonde c'est n'a la ramtabuna djebuninga ya lafi dati banne. Et aujourd'hui nous allons voir un des éléments donc du fruit de l'Esprit qui est la paix. Tonde shibingou ko rabeyil somia nasni.

alors le psalmiste dit que lorsqu'il est couché, il n'a pas peur. Il dort en paix. C'est à cause de l'Éternel. Il est conscient. Il sait que c'est Dieu qui assure sa sécurité. C'est pourquoi il n'a pas peur de quoi que ce soit. Et ils dorment en paix. Dans la leçon de la Corneille, Philippiens, chapitre 2, verset 14. Et Ephésiens, chapitre 2, verset 14. Pour la lecture biblique, nous, lis, nous pouvons lire donc Philippiens 4, verset 7. Et Éphésiens chapitre 2, verset 14. Dans la leçon de la Corneille, Philippiens, chapitre 2, verset 14. Et dans cette leçon, nous allons voir deux points. Pipi, la nous allons Premier point, la paix avec Dieu. Ibu la fiung wenam poin. Et le deuxième point, la paix en dieu. Taurye, Voyons maintenant euh, le message d'introduction. Mambasa la fi n'yamba. Mam konta yam mum la fi. Jean Pila Nas and Pisila Yopui. La fini beme. La dunue yaolankata la fi. Ni la la Nisal smo laka ta lafiye. Ton zamzran. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Alors que la paix que Dieu donne est disponible, le monde est sans paix. Le cœur de l'homme est sans paix. Notre leçon nous ouvre donc la porte de la paix. Gloire à Dieu. Il s'agit là d'une déclaration de Jésus lui-même qui dit Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et si nous examinons, nous allons nous rendre compte que la paix que Dieu donne est une paix qui demeure pour toujours. si nous examinons, nous la paix est une paix et nous pouvons nous poser cette question, pourquoi il est question de paix ici, pourtant nous n'avons pas de paix dans notre monde. Et certains peuvent se poser la question, on dit que Dieu rassure euh, euh, la paix de ses enfants, Dieu donne la tranquillité, et pourtant moi je n'ai pas

Entrer en possession donc de la paix dont il est question ici et comment vivre cette paix-là. En fait, la leçon voudrait donc nous donner la clé, le secret de comment entrer dans la paix que Dieu donne. Et c'est pourquoi nous allons aborder le premier point qui est...

Alors, au premier point, nous lisons, la paix avec Dieu est le résultat de la justification accomplie par Jésus pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et qui sont soumis et qui ont soumis toute leur vie à la parole de Dieu. C'est le caractère de celui qui obéit chaque jour à la volonté de Dieu. C'est une conscience pure. Es-tu en paix avec Dieu La paix avec Dieu. Ya Jésus-Christ, son wan ki kum depik ka juga, ki sena katarjem hentara, asisi managa me ki pam jem sentara. La mort de Jésus sur la croix a mis fin à l'inimitié qui existait entre nous et Dieu pour restaurer la paix entre nous et notre Dieu. Ya waneba yibse na ndapa umtaba, yelenkem sukata yelakite, ne debayem patenta toyi. C'est comme si il existait un problème entre deux personnes. Et à cause de ce problème, personne ne peut avoir accès à l'autre. Quelqu'un est venu au milieu comme un intermédiaire. Notre Dieu, notre Père Céleste, ne voudrait pas que ses enfants que nous sommes

pour que quiconque croit en lui puisse avoir cette nouvelle relation, communion avec Dieu. Alors, si nous passons par la porte qui est Jésus-Christ lui-même, pour entrer dans la maison, nous avons la paix avec Dieu.

la mais à partir du moment où vous commencez votre service il y a des principes il y a des règlements intérieurs que vous devez suivre mais malheur à vous quand vous dites puisque je suis rentré il y a plus de problème il se peut que vous ressortez de la même manière que vous êtes rentré. Mais ici, nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas posé un acte quelconque. C'est Dieu qui a tout fait pour nous, pour notre salut. Mais il n'attend pas de nous encore une autre contribution ou bien euh, un prix à payer. C'est seulement que nous puissions obéir à ce qu'il dit de faire. En fait, nous abandonner entièrement entre ses mains pour que lui, sa volonté, s'opère au travers de nous. C'est à cela que nous pourrons vivre la paix que Jésus nous a donnée.

me condamne me juge ou alors cette conscience me rassure que je vis dans la pureté Alors une fois posées ces questions nous devons donc examiner pour voir si toutefois il y a des endroits dans notre vie qu'il faut remettre dans l'ordre nous devons le faire et au deuxième point de la leçon, il est intitulé La paix en Dieu. Et la bétonne sans s'il y a Christin de bas. Ou tout la tenir la main, titon bé, Christ pour un. Christ pour un, la quatre francs. Bala, bamia, la fibé. Boum, boum, fran, tu es un sam, d'un nouvel pourra. Zaba, tu es un fier à neba, netaba. Souka, tu es un yi, nezab, ouzro. Kristend be lafi po a. Bala. Bala nye mi meti wè nam. Zanda duni wè. Obn nouga pou wè. Layo lom gomda be nen bamba. Kristend lafi. Mwa kayita atarashda pou sen. Eh, Kayit. Yelan pou se meye. Kayita lakman ta ne wè nam pou wè. Fwa lakman ta ne wè nam a ya wè nan wè nan. La pe an dieu. Si nous sommes réellement chrétiens, cela veut dire que nous sommes en Jésus-Christ. En Christ, il y a toujours la paix, car il est le prince de paix. Tout peut se renverser dans le monde. Les guerres peuvent se multiplier. Les relations entre les hommes peuvent être les plus conflictuelles. Le chrétien est en paix parce qu'il sait bien que Dieu tient le monde dans sa main et que le dernier mot lui revient la paix du chrétien ne vient pas de ses sentiments encore moins des circonstances elle est le résultat de sa relation avec Dieu comment est ta relation avec Dieu gloire à Dieu si nous sommes réellement des chrétiens si nous sommes réellement des chrétiens alors le premier pas à faire, c'est d'être chrétien. Mais si toutefois nous sommes chrétiens, cela veut dire que nous sommes en Christ. Alors être chrétien, ce n'est pas porter un nom. C'est avoir une vie de chrétien. C'est-à-dire la vie de Christ doit être en nous. Les gens devraient voir en nous Christ. Si nous sommes en crise, c'est-à-dire que nous avons cette paix tous les jours. Même à des moments difficiles, nous avons la paix. Même à des moments de deuil, nous sommes en paix. Parce que nous avons Dieu en nous. Et Jésus-Christ est le prince de paix. Tout peut se renverser dans ce monde. Si nous regardons, notre monde actuel est plein de troubles, de conflits, de guerres. Et certains peuvent se poser la question, pourquoi vous parlez de paix tandis que nous n'avons pas la paix dans notre monde et les relations entre les hommes, il y a plein de conflits, il y a des troubles. Nous vous parlons de la paix en Dieu. C'est quelque chose que l'or ou l'argent ne peut pas vous offrir. Aucune arme dans ce monde ne peut procurer donc ou une intelligence ne peut procurer cette paix. Cette paix est donnée par Christ. Le chrétien est dans la paix malgré les multiples guerres ou de conflits dans notre monde. Parce que le chrétien sait que le monde est entre les mains de Dieu. Le chrétien sait que tant que Dieu ne donne l'autorisation, rien ne peut s'opérer. La paix du chrétien... La paix du chrétien vient de Dieu. Parce qu'il sait que le dernier mot revient à Dieu. Beaucoup de choses dans ce monde peuvent nous plonger dans la peur. Mais si nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous savons que le dernier mot lui revient parce que la paix du chrétien ne vient pas de ses sentiments de ses pensées. En fait, dans la pensée de l'être humain, il y a plein plein de choses, mais la paix du chrétien ne provient pas de cette euh, de ses pensées là. Et la paix aussi ne provient pas des circonstances de la vie. En fait, la paix de Dieu se trouve dans la relation avec Dieu. Cette bonne communion que nous avons avec Dieu, c'est ça qui nous procure la paix. Si toutefois tu es en crise et que tu n'as pas la paix, nous ne parlons pas seulement de la paix physique, les problèmes de maladie, de santé par-ci, par-là, mais nous parlons de cette paix intérieure, cette paix du cœur. Si nous sommes pour Jésus,

il n'a pas posé la question à savoir euh, euh, quelle est la relation de ton voisin avec Dieu ou bien la relation de ton camarade de classe avec euh, Dieu. Non. La question est la suivante. Comment est ta relation? Toi, ta relation avec Dieu. Alors pose-toi la question maintenant. La Et réponds pour toi-même. Si le monde avait accepté la paix que Jésus donne, le monde serait en paix aujourd'hui. Malheureusement, le monde a abandonné Jésus en recherchant la paix ailleurs. La vraie paix est donnée par Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui nous écoutes, alors si tu veux la paix, donne ta vie à Jésus. Cherche à être en bonne relation avec Dieu. Et alors tu auras cette paix qui vient de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous aide à chacun en particulier à faire une rétrospection de sa vie. Que personne ne se fasse du tort.

et la deuxième question, pourquoi le chrétien est en paix dans un monde sans paix Que Dieu nous aide à pouvoir répondre à ces questions et mettre cela en pratique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen.